Bruno Marchal, mental coach à Montpellier pour la motivation du matin. Oui, allez, Bruno, on se calme. Alors aujourd'hui, motivation du matin, avant de faire vos coachings, vous savez que le coaching c'est par WhatsApp, c'est par audio, c'est par téléphone, et ensuite on essaye de vous suivre pendant 15 jours. Est-ce que j'ai dit on essaie de vous suivre pendant 15 jours? Non, je vous suis pendant 15 jours avec la formule efficacité. Pendant 15 jours, m'envoyez sur WhatsApp, notamment autant de messages que vous voulez, bien évidemment. Alors pourquoi ces vidéos du matin? Eh bien c'est pour vous donner la patate, pour donner la pêche, je vous donne une info. Vous savez que la journée commence en fonction des premières infos que l'on a, en fonction de la pente comme je dis, c'est-à-dire que si on part dans du positif, si on part dans de la patate, si on part dans l'énergie, eh bien les prochaines actions vont s'enchaîner puisque vous serez plein de dopamine et de sérotonine. Aujourd'hui on va parler de justement comment créer des bonnes relations. Je vois chez mes clients en coaching souvent, avant qu'on fasse les coachings, ils voulaient, parce que peut-être qu'on n'est pas, qu'on est pas encore assez adulte et qu'on veut une toute puissance d'enfant, on voulait contrôler les autres. Alors je vous explique ça dans la formation « Comment devenir adulte ». Vous avez les, bien sûr pour ma formation, vous avez le petit, en descriptif, vous avez le lien pour vous les procurer. Quand on veut contrôler les autres, c'est qu'on est encore dans une relation parent-enfant. Et soit qu'on est parent, effectivement, soit qu'on est enfant, les deux marchent. Et... quand on veut contrôler l'autre, effectivement, ça ne fonctionne pas. On apprend ça à faire dans la formation quand on est adulte. Et ce qu'on apprend à faire, c'est susciter un désir. Ça, c'est notre formation, susciter le désir. Vous l'avez aussi dessous. C'est-à-dire que l'on doit commencer à créer une forme de confiance avec la personne. On doit commencer à créer quelque chose qui nous unit, quelque chose qui interpelle la personne. Les personnes en face de nous ne sont pas nos objets, mais ce sont nos désirs. Non, c'est pas nos désirs, c'est nous sommes leurs désirs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont envie de communiquer avec nous? Vous savez, aujourd'hui, on est, comme toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui encore plus, on a l'occasion de se faire complimenter, on a l'occasion de faire des choses sur YouTube, on a l'occasion de faire plein de choses positives. Et donc, si vous appelez quelqu'un, si vous avez un texto à quelqu'un pour lui faire un reproche, forcément, comme un parent fait aux enfants, ben, formellement, ça va pas du tout fonctionner. Alors pourquoi on fait ça d'habitude? Pourquoi on veut contrôler les autres? Eh bien, c'est souvent pour renforcer sa toute puissance infantile, mais ça ne fonctionne pas à long terme. Alors dans les pubs, dans le marketing, c'est la même chose. On essaye d'abord de parler à une personne, de gagner sa confiance, de rentrer dans son monde. Et une fois que l'autre a permis de qu'on rentre dans son monde, de l'accepter, eh bien on va pouvoir faire sa demande ou faire sa création. Donc l'idée dans la motivation du matin, dans cette idée du matin, c'est de se dire ensemble qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour créer une bonne relation avec les autres. Si vous êtes en difficulté relationnelle, c'est-à-dire que si vous avez loupé des étapes, que vous êtes en galère dans votre situation professionnelle, dans votre situation familiale, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, eh bien, le fait d'améliorer son comportement adulte, de savoir provoquer un désir intense et puissant, comme je dis, eh bien, va vous permettre de recréer ce lien. Et si vous commencez une relation avec quelqu'un, eh bien, il va falloir d'abord entrer dans son monde. Alors, c'est vrai que on pourrait avoir une idée de se dire, ben, je suis puissant, je suis un enfant, mes parents vont m'aimer tel que je suis, etc. Quand dans la formation, notamment, comment devenir adulte, on passe au-dessus de ça parce qu'on n'y arrive pas et on ne fonctionne pas. Les personnes qui réussissent leurs objectifs dans la vie, quels que soient leurs objectifs, hein, tous les objectifs sont bons, s'ils sont au service du monde, c'est mieux. Eh bien, les personnes qui réussissent leurs objectifs dans la vie, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Eh bien, ils vont se créer un réseau autour d'eux, ils vont prendre l'énergie des autres, comme vous prenez l'énergie dans ces motivations du matin ou dans vos coachings. Et avec cette énergie, vous allez pouvoir faire quelque chose qui est au service du monde entier. Si vous trouvez une façon d'être au service du monde entier, eh bien, vous allez réussir parce que tout le monde va vous aider. L'énergie du monde va vous aider à le créer. Si vous voulez prendre de l'énergie pour vous, ben c'est là où ça va pas fonctionner. Alors aujourd'hui, la question, c'est que je vous donne des devoirs, autant en coaching qu'ici. Quelle est la chose que vous allez faire aujourd'hui pour entrer en contact avec quelqu'un, pour créer une confiance, pour aller dans son sens, pour aller dans sa bulle? Là, vous allez nous mettre ici en commentaire. Vous savez qu'on est ici une communauté positive, bienveillante. On s'entraide quand on a un coup de mou, on se donne un coup de boost. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment vous pouvez rentrer en confiance avec quelqu'un, comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un. Ah, les Tamaris, comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un et vous pouvez avancer
et comment on pourrait avancer avec lui. Donc donnez-nous des idées, donnez des idées à cette communauté, et ben, tous ensemble on est plus fort. Tiens, allez, je vous fais un petit cadeau aussi ce matin. Je sais que vous aimez bien ce genre de paysage, l'eau c'est toujours super. Vous avez la cathédrale de Villeneuve, les Maguelones en face de vous, et les étangs, c'est le cadeau du jour. Hop. Mettez un pouce en l'air dans cette vidéo, non pas pour faire plaisir à Bruno, mais parce que si cette vidéo peut inspirer quelqu'un et comprendre que dans la relation parent-enfant on galère, et que dans la relation d'adulte c'est mieux. Donc c'est grâce à votre pouce en l'air que peut-être quelqu'un va tomber sur cette vidéo, que YouTube le proposera à d'autres personnes. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés tous les jours, et puis le private joke avec cette communauté positive et bienveillante, vous la connaissez, c'est Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.